Bienvenue au Monténégro, un pays au petit territoire mais aux grandes possibilités, inhabituel, différent, unique. Bienvenue dans ce coin caché de la planète que le monde découvre tout juste. Podgorica, la capitale. Située dans une vallée verte à 40 km de la mer, elle relie le sud et le nord du Monténégro, mais aussi différentes cultures, confessions, nations. Cetinje, le trésor culturel et historique d'un peuple, la capitale spirituelle du Monténégro. Cette petite ville recèle l'histoire d'un roi, de son royaume, de sa famille, de ses sujets. Après un séjour au monastère de Cetinje, vous pouvez visiter Ivanova Korita et découvrir le Lovćen, symbole du respect et de la liberté monténégrine. Budva. Les magnifiques plages de sable et les charmants villages de l'arrière-pays. Le silence dans les jardins des monastères. Les criques secrètes. Les hôtels prestigieux. Les meilleurs festivals de musique d'Europe. La ville du théâtre à ciel ouvert. Les terrasses discrètes des restaurants de poissons. Budva, c'est aussi Sveti Stefan, l'île prestigieuse, la ville-hôtel, qui depuis des décennies attire les grands de ce monde. Bar, au bord de la mer et dans lac, la ville des olives et du vin, de l'harmonie multiethnique. On y trouve le vieil olivier âgé de 2000 ans, la vieille ville, le fascinant lac de Skadar, et l'arrière-pays de Crnica, où est produit dans les caves le meilleur vin d'origine autochtone, le Crnički Vranac. Ulcinj garde dans ses remparts l'histoire de glorieux guerriers, pirates et captifs, comme le célèbre Cervantes. La beauté d'un tout autre Monténégro se dissimule dans les plus belles plages de l'Adriatique, dans les vagues et les vents, dans les petites maisons en bois de la rivière Bojana, dans le plumage bigarré des flamands à Solana, dans les festivals de musique et dans les eaux bienfaitrices qui jaillissent des entrailles de la terre. La baie de Kotor, le seul fjord de la Méditerranée. Un flot de villes et de villages défile tout le long de la baie sans qu'on sache quel endroit est le plus beau, quelle ville enchante la plus les visiteurs. Escoteur, avec son imposante et dangereuse muraille du XVIe siècle, la ville du carnaval et des bals masqués, de la musique et de la danse. Kotor, avec la cathédrale Saint-Trifon, la forteresse Saint-Jean ou l'église Saint-Luc. Ou peut-être la baroque Perast ou Rissan, avec ses mosaïques romaines. On se laisse ravir par Tivat aussi, l'ancienne résidence estivale des seigneurs, des nobles et des poètes, avec ses chants de sel, le plus grand parc du Monténégro et Porto Monténégro, la plus luxueuse marina de yacht en Méditerranée. Le soleil de Herceg Novi, ses nombreuses marches menant à la mer, son éternelle verdure et ses célèbres mimosas attirant depuis des siècles peintres, poètes, écrivains. Les parcs nationaux du Monténégro sont des trésors à part.
Le Lovchen avec ses forêts denses et le pittoresque village de Niegushi. Le Durmitor avec l'impétueuse Tara et les lacs glaciaires, le lac de Skadar, avec ses pélicans frisés et le village de Rijeka Crnjevići. Le parc de Biogradska Gora avec son lac éponyme au cœur de la dernière forêt vierge d'Europe. Les Prokletiye avec les sources d'Ali Pasha. Le lac de Plav et cette beauté inexplorée à couper le souffle. Et ce n'est pas tout. Kolašin, la première station du ski du pays, une petite ville de montagne où vous apprécierez les spécialités de la cuisine nationale. La Tara, nom du canyon le plus profond d'Europe et d'une rivière où le rafting rejoint vos rêves les plus fous. La station de montagne la plus somptueuse, Žabljak. Attrayante l'hiver, peut-être plus attractive encore l'été, quand ses nombreux sentiers dévoilent à chaque pas les charmes du Durmitor et de ses lacs. Ce qui rend ce pays unique, c'est avant tout une beauté insolite et sauvage. On passe vite d'un contraste à l'autre, autant dans les paysages naturels que dans les goûts et odeurs de la nourriture et des boissons, des spécialités méditerranéennes, aux plats traditionnels de montagne, en passant par les délices des lacs ou les vins fameux. En une journée, vous pouvez profiter de la magie des plages, voir l'Italie depuis le sommet du Lovchen, descendre l'impétueuse Tara, skier à Savinkuk, surfer à Ada et pêcher dans les lacs. Ce pays a été bâti par trois différentes cultures, surélevées spirituellement par ses glorieux artistes. Au Monténégro, vous pouvez trouver la paix, le silence, la tranquillité. Vous pouvez trouver le côté passionné, aventurier de votre personnalité. Vous pouvez trouver le bonheur dans les petites choses. Vous pouvez trouver vous-même. Il suffit simplement de vous mettre en route.